Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous présenter dans cette vidéo le chapitre 2 de la chasse aux démons. Donc on va commencer tout de suite avec le premier combat. Le mage du feu. Donc à la fin du tour de Osélié. Bon, il n'a pas l'air spécialement très puissant. C'est fait. Accélérer les 5 coffres. On va le faire tout de suite. Donc je vous conseille de le faire avec des coffres ordinaires pour dépenser le moins de diamants possible. Et voilà. Cinq sparkles. Donc là, c'est sûr, j'invoque un guide demi-dieu ou de dieu, ce qui ferait cher. Ou sinon, je fais quatre fois la reine divine. Je trouve 750 cartes rares. Ouais, je préfère mieux faire ça. Alors, le héros des ténèbres. Donc ça, c'est la version esprit du vide. Mais en une autre version, en fait, justement. C'est pas j'ai l'esprit, j'ai du vide, c'est... Pas le héros des ténèbres non plus, c'est Harbinger of Death ou un truc comme ça. Il a des bonnes petites caractéristiques, il peut mettre l'attaque à 1 pour tous les ennemis pour un tour. Et faire apparaître un fantôme qui met l'attaque à 1 aussi. Lui, il enlève le bloc et en plus à la mort il guérit le Varlord pour 25. C'est pas très cool.
C'est assez serré, mais à mon avis, c'est lui qui va gagner. Allez, c'est perdu. C'est sûr, au moins il aurait eu quelques bleus. Ce coup-ci, je joue avec le héros du ténèbre, justement. J'ai baissé son attaque, d'ailleurs, elle a vite augmenté. Il est assez le Shroom, il est assez intéressant là parce que quand il y a un des alliés qui meurt, il va pouvoir le guérir de 25, c'est plutôt intéressant. La Satchir, elle tape assez fort, hein. Wow. Bon, mais encore une fois, c'est perdu. N'empêche, je remarque qu'ils sont assez malins. Sur ce chapitre 2, ils nous font gagner l'arène divine juste avant. Comme ça, on a déjà utilisé les coffres rares. Et juste après, il faut utiliser 750 cartes rares. Je trouve ça assez, assez intelligent, en tout cas. Ce que je vais faire, là, c'est que je vais faire une coupure. Je vais gagner les 4 fois à l'arène des dieux. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de l'event. Et voilà, j'ai gagné 4 fois l'arène des dieux. Donc je vous conseille de faire que celui de gauche. Pourquoi? Parce qu'il est plus facile que celui de droite, je trouve, comme combat. Et c'est surtout parce que ça vous permet de conserver le deuxième coffre rare qui n'est pas encore ouvert.
et qui va servir juste pour la mission d'après. Donc, on va aller récupérer les Sparkles. Je pourrais très bien toujours faire la mission qui est en bas pour obtenir 1200 Sparkles en plus et passer à ce combat-là, au révolutionnaire, mais je vais plutôt faire celle-là où il faut avoir 750 cartes rares. Donc là, comment avoir des cartes rares? Soit on peut les acheter directement par le magasin, ce que je conseille pas forcément. Dans un premier temps, je vais refaire une forge à la reine divine pour tenter d'obtenir le deuxième coffre rare. Donc c'est parti, petite coupure. Donc c'est reparti donc pour le combat. Là, je vais finir Trixie. Aïe aïe aïe. Ah, ok, j'ai mal calculé. Bon, je finis pas Trixie du coup. C'est même plutôt elle qui va me finir. Alors. Assez dur à battre quand même, hein. C'est pas des combats faciles qu'ils nous ont mis là. Surtout que le petit Fireworker là, il tape fort, hein. Alors faire attention à lui, il tape deux fois, même s'il tape du 3. Voilà. Ouais, déjà à partir de là, c'est foutu. Hein. On va quand même essayer de le faire jusqu'au bout. Bon, bah encore une fois perdu. Je reviendrai quand je l'aurai réellement gagné ce coup-ci. Je fais une coupure. Voilà. Enfin réussi à battre Trixie en 12 tours. Hop, ça me fait 210 cartes sur 750. J'ai utilisé mon coffre rare. On va devoir passer par la tour de l'obscurité pour essayer d'obtenir les autres cartes qu'il nous faut. Alors. Hop, Enzo le Grand. Le bâtiment, il m'intéresse pas mal.
tape pas beaucoup, mais il fait des dégâts Overlord et il a une bonne vie. Wow. Ça fait du ménage. Hein. Voilà. Il va falloir gagner encore 4 autres combats comme ça. En plus, la Dark Tower est en double gain. Alors, on n'a pas trop la même mission que sur les autres events, je trouve. Certaines missions ont été inversées, puis d'autres missions n'y sont pas. Bon, là, sur ce match, j'ai Aphrodite qui me rend beaucoup service. Le troisième combat. Alors, il va me mettre ses cadeaux, c'était sûr. En tout cas, ça m'a donné de la vie. Ah, quand t'es un ennemi qui apparaît, ça donne un bouclier mental Overlord. Ah, Olaf le roux. Le Ratahorus, là, il m'a pas rendu service. À cause de lui, quand il y a quelqu'un qui tape mon Warlord, ça le soigne à la hauteur de ce qu'il tape. Donc, on va l'éradiquer le plus vite possible.
Logiquement, il a une attaque supplémentaire, c'est ça. J'hésite entre Média et la Satyre. Je vais jouer Média. Ok, ouf. C'était un peu plus chaud. Ok, petite coupure, je finis la tour noire. Si j'arrive et je reviens pour la récompense. Voilà, donc on reprend sur la fin du dernier combat. Et the winner is. Donc là, on a les deux coffres. Et on sait déjà qu'on a 511 sur 750. Donc, est-ce que en achetant des cartes. Ok, c'est bon. Ça le fait. Ensuite, on a celui-là. Il n'y a pas le choix, faut utiliser des diamants. Hop. Quand on n'a plus d'essai, faut payer. Vive la révolution. Ouais, d'accord. Ok. Ouf. Alors, dès qu'il y a un mal qui apparaît, ça donne à tous les ennemis plus 3. D'accord, elle avait 375 points de vie au départ. Ça c'est fait, 200 Sparkles. Plus 475. D'accord, donc là on me propose une offre pour acheter des cartes épiques. Alors, je sais pas ce qu'il s'est passé. Alors, trouver 600 âmes des héros suivants ou faire deux reborn et booster des héros légendaires 12 fois. Donc 12 fois ça m'arrange pas trop 12 fois. Ça veut dire que ça me casserait quasiment toutes mes poudres quoi, en fait. Et j'ai pas trop trop envie. Déjà dans un premier temps, je vais essayer de faire jeter des liens d'esprit. Eh ben, c'était long. Alors, on va trier par carte rare. Voilà, donc là, il y a des liens d'esprit. On en fait un. Et on en fait deux.
Ben, il y a des offres à profusion. Alors, 850, ça déjà c'est fait. Et là, comment je pourrais faire pour avoir du épique? Y a une solution un peu risquée, mais il y en aurait une en tout cas. Par The Pit, par Impi Céline que j'ai presque tué. J'appuie encore sur le bouton de l'accueil. Alors, changement de carte. Bon, allez, c'est pas grave. Alors, petit aparté, c'est un héros que j'avais posté donc sur YouTube et que j'ai enlevé parce que je devais la faire en deux parties vu que je n'avais pas assez d'essais et puis au final la deuxième vidéo est sortie d'une qualité mauvaise, très très mauvaise. Du coup, j'ai préféré supprimer carrément la vidéo. Voilà, donc là j'en suis à 378 sur 600. D'ailleurs, le prochain boss de The Pit, au cas où vous ne le saviez pas, c'était Breath of the Ice. Mais bon, à mon avis, ça va être tendu. Alors, 378. Je pense que ça vaut quand même le coup d'invoquer ou il doit y avoir quelque chose là. Sur des cartes épiques, ça va pas forcément m'aider. Comment faire? D'accord, aide et méga offre. J'avoue que j'ai pas envie de mettre 20 euros. Donc tant pis, je vais utiliser. Je vais passer par le magasin. Pour tenter d'avoir les cartes qui me manquent. Ah, 180, là j'ai de la chance. Je ne sais pas combien il me manque. Ah ben je suis à 600 sur 600. Impeccable. Impeccable. Ça m'a évité à devoir booster 12 fois mes héros. Alors à nouveau je paye 40 diamants. Chasseur de monstres. Donc début de tour, tous les ennemis d'attaque à distance reçoivent plus 4. Et tout de suite, Omega Star pour se protéger. Et le fait de mettre Fury qui va attaquer 4 fois en suivant, ça va enlever encore des dégâts à cause de Ghosta. Wow, elle est passée à 44. Cette carte, elle fait assez mal, hein.
Bon, le combat n'a pas été très difficile en soi. 1100 Sparkles sans récompense. Et donc là, on upgrade 25 fois les héros pour 1200. 3 reborn 1300. Ou on passe directement par là et on a 2500. Eh bien, on va upgrader les héros 25 fois. Neuf fois sur 25. Ça va faire une reborn, ça. Ah non. Et là, il faut faire 3 reborn. Alors, 3 reborn. Trois reborn. Alors, qu'est-ce que c'est une reborn? C'est des réveils. C'est-à-dire que vous allez dans cet onglet-là, si vous voyez que vous pouvez faire renaître, vous le faites. Hop, là, ça fait 1. Et la troisième fois. Bon, avec ça, j'ai perdu beaucoup comment on appelle ça, de level up héros qui aurait pu me servir dans le prochain mini-event où on doit upgrader nos héros. C'est un peu dommage, mais j'avais pas envie de dépenser 20 euros. Donc j'ai préféré faire comme ça. Ensuite, prochain combat, on a le calcineur. On fiche 4 de dommages à tous les héros qui n'appartiennent pas à l'ordre. C'est dommage, j'ai un deck quasiment que ordre. Hop. Ton oiseau, on va le remettre en cage.
Enfin, quelque chose près, et il m'a tué Ghosta. Hein. 33 à un ennemi aléatoire. Bon là celui-là il commence à taper un peu plus fort là. Déjà ça au niveau du deck ça ça commence à faire un peu mal quand même. Et là, donc, deux chemins. Et là, ça va être long. Parce que j'ai soit la possibilité de dépenser 20 000 sparkles, ou de faire 20 fois la tour noire. Et en plus de faire 4 fois une renaissance au héros. Donc évidemment, je vais choisir de passer par la tour noire. Mais là, si je veux la refaire, il faut que je paye. Et quoi qu'il arrive, même si je gagne 5 fois, il me restera encore 15 victoires à gagner, c'est-à-dire 3 tours noirs. Donc, je vais être obligé de faire la vidéo en deux parties. Je vais pas vous montrer 5 fois la tour noire. Ça serait un petit peu pas très sympathique de ma part. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais stopper la vidéo pour ce soir. Et je reprends la vidéo dès que je le peux. Donc nous voilà à la fin de la mission. De la longue mission de la tour noire où il faut gagner 20 fois. Donc j'avais enregistré la deuxième partie, j'ai de la vidéo où est-ce que je fais les 3 reborn qu'il y a à faire et le dernier combat. Cependant, j'ai eu un bug logiciel. Et du coup, j'ai ouvert les coffres légendaires et vous n'avez pas pu voir ce que j'ai fait. Donc le dernier combat, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est un combat plus long que difficile. Néanmoins, ça dépend des cartes que vous avez. Sinon, au total, je vous montre quand même ce que j'ai pu obtenir. Donc Mina Helsing, 135 cartes. Donc avec la capacité précision qui permet de passer à travers de la capacité évasion qui permettait d'esquiver les attaques archers. Donc maintenant ce personnage va pouvoir traverser la capacité évasion. Donc quand le seigneur de guerre est attaqué, ça inflige des petits dégâts au warlord ennemi, du moins à petit niveau, peut-être qu'à gros niveau ça en renvoie beaucoup. Là par exemple niveau 11, ça inflige de 11 à 22. C'est pas négligeable. Et ensuite, le plus important, quand elle attaque le seigneur de guerre ennemi, elle gagne des attaques supplémentaires. Donc ça veut dire que combiné avec Discordia qui propose déjà des attaques supplémentaires, il y a moyen qu'elle fasse très très mal, surtout par exemple à moyen level, elle tape du 33, ça paraît pas beaucoup, mais si on la booste avec des bonus guild par exemple, plus des bonus avec d'autres héros qui augmentent déjà les dégâts. On peut arriver, je pense, rapidement à des attaques intéressantes. Ça fait penser un petit peu à Fury, mais version archer en fait. Ensuite, j'ai obtenu. Hop là, Fiery Strike Art. Donc 215 cartes.
au total. Donc lui, assez pratique à moyen level, on va le mettre à 3 étoiles là par exemple. Donc au départ, il donne 6 de dégâts à tous les alliés pour un tour, donc ça c'est à 1 étoile. Il obtient une d'épices par rapport aux ennemis qui sont autour de lui, dans un rayon de 2 cellules, c'est-à-dire 2 cellules autour de lui, il va obtenir une épice. Mais par exemple, à 3 étoiles, il en obtient 5 par héros. C'est-à-dire que quand il va taper par exemple, s'il a obtenu 20 par rapport aux ennemis, il va taper ses 46 plus 20 à tous les ennemis autour de lui. Ce qui est plutôt pas mal. Et à la fin, il donne du splash, un allié aléatoire en fin de tour. Donc, ce qui va permettre, par exemple, si vous attaquez l'ennemi qui est au milieu, en plus, il va se prendre des dégâts et il a deux splash. Pareil quand vos alliés vont attaquer. Et en plus, donc, d'attaquer tous les ennemis qui sont autour de lui par rapport à ces deux cellules. Donc, ça fait plutôt mal. Surtout si on le met à 5 étoiles, on voit quand même qu'il tape du 97. Plus ses dégâts de splash et compagnie, il fait assez mal. Et le troisième héros, je ne l'ai pas obtenu par un coffre. Néanmoins, je voulais quand même vous le présenter. Alors, où est-ce qu'il se cache? Juste à côté. Info. Voilà. C'est ce héros-là. C'est pas celui que je préfère, néanmoins, quand il attaque, il inflige des dégâts aux ennemis et j'ai de la nature. Pratique pour ceux qui jouent le fils des forêts. Donc, quand il est attaqué, il soigne un petit peu le Warlord. Alors, à moyen level, il soigne beaucoup quand même. 18 à 42, c'est vraiment pas mal. Et aussi, il invoque une mini Tesla, qui va infliger des dommages au Warlord à chaque fois qu'un allié va mourir. C'est plutôt pas mal. Sur ce, je suis désolé que cette vidéo ait buggé. En ce qui concerne les ouvertures coffres, on va en faire bientôt grâce à l'invocation 10 fois Dieu. Restez connectés, ça devrait arriver d'ici une quinzaine de jours, je pense. Sur ce, si vous avez des questions concernant l'event, concernant les héros ou quoi que ce soit d'autre, je vous invite à m'envoyer un message ou à poster un commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos. En ce qui concerne le chapitre 3 de la chasse aux démons, je ne le présenterai pas, c'est-à-dire dans le sens où je ne le ferai pas vu qu'il est beaucoup trop dur. On va regarder vite fait ensemble les missions. Donc déjà, il faut acheter 5000 élixirs en banque. Donc ça coûte 1000 diamants. Juste avant, il y a un boss qui est relativement dur à battre. Et encore, par rapport à mon deck, moi, j'ai réussi assez rapidement, mais c'est-à-dire en 7 tours. Néanmoins, il n'est pas accessible à tous les niveaux. Après, là, on a trouvé 600 âmes de guerriers légendaires. Donc 600, c'est pas rien, à part si vous avez des évocations Dieu en stock, ce qui est assez cher, c'est-à-dire 5000 diamants par invocation, ou sinon obtenir 900 cartes légendaires par les coffres PVP ou par invocation. Donc là, pareil, c'est beaucoup plus par invocation. Battre le roi des rois, il doit pas être facile. Obtenir encore des cartes légendaires. Gagner deux victoires avec Dave le pirate. Invoquer des dieux ou des demi-dieux 25 fois. Je préfère arrêter là parce que c'est déjà très très dur. En tout cas, grand bravo à ceux qui ont réussi à finir cet event. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur Matchy Party. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures dans une prochaine vidéo. À plus!